Il n'y a que les gens du FCC qui disent que ce discours n'était pas réconciliateur pour la simple raison que on n'a pas satisfait à ce qu'eux veulent. Et je le dis encore, la République n'appartient pas au FCC. Et nous demandons aux Congolais de pouvoir écrire aux autorités judiciaires, de pouvoir appeler les autorités judiciaires pour décrier cette injustice dont l'évêque Mukuna est victime. Et nous avons l'impression que le juge président n'est utilisé que par d'autres forces pour empêcher l'évêque Pascal Mukuna, qui mérite cet acquittement parce que le dossier est vide, de pouvoir recouvrer sa liberté. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel. Vous nous suivez de partout, chers Congolais. Merci et bienvenue dans votre émission Actu Plus. Nous sommes toujours là pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler, bien sûr, de la grâce présidentielle. Nous allons parler également du discours du 30 juin du président de la République et réaction au sein de la classe politique. Nous allons chuter aussi sur l'affaire évêque Pascal Mukuna. Il y a un scandale que l'Azado est en train de dénoncer tous les jours. Nous allons également évoquer un autre dossier, bien sûr, sur les questions d'actualité. Voilà, je reçois pour vous Maître Jean-Claude Katende, notre habitué. Il est notre, on peut dire, expert presque à maison, puisque nous les consultons à tout moment et à tous les jours. Et ça nous fait bien, pourquoi, puisqu'il reste ouvert à nous. Maître Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, j'espère? Je vais très bien. Très bien. Maître Jean-Claude, d'entrée de jeu, le premier dossier, d'abord, c'est le discours du chef de l'État du 30 juin. Vous avez suivi ce discours comme tout le monde. Quelle est votre analyse? Mon analyse du discours du chef de l'État, il faut dire d'abord que c'est un discours de courage, mais aussi un discours de responsabilité. Sans oublier que dans ces discours, le président de la République a réparé une erreur qui était entretenue depuis longtemps par ses prédécesseurs concernant l'élévation de l'ancien président Joseph Kabila au statut de Joseph Kassavubu. Ah oui, excusez-moi. Kabila est toujours dans ma bouche. L'ancien président Joseph Kassavubu au rang d'héros national. Vous savez que M. Kassavubu n'était pas du même tempérament que M. Lumumba, mais les deux ont joué un rôle très important dans l'histoire de cette nation. Et il fallait attendre l'avènement de M. Félix Tshisekedi au pouvoir pour voir cette erreur réparée. Dans ce discours, nous sommes contents du fait qu'au-delà de questions habituelles, le président de la République, pour la première fois, a mentionné les cas des Congolais qui ont été assassinés pour, n'est-ce pas, les questions de démocratie, les questions des élections, dans, comme lui-même l'a dit, dans nos villes et dans nos villages. Je pense qu'il n'a pas nommé les noms, mais il faut ici mettre sur ses comptes toutes ces personnes qui ont été tuées en 2015, en 2016, en 2017 et en 2018, dont Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, ainsi que d'autres. Ça, c'est vraiment un acte pour moi de courage, parce que à même temps qu'il en parle, nous nous pensons aux auteurs de toutes ces tueries qui continuent encore à courir les rues, dont certains sont même dans les institutions de la République. Il faut qu'un jour ou un autre, grâce à l'appui des institutions, que ces personnes soient poursuivies. Il a abordé une des questions qui nous a toujours préoccupés aussi, c'est Bukanga Lonzo. Il y a toujours des personnes
qui ont géré ce projet 200 millions de dollars, qui n'ont jamais dit pourquoi un projet aussi important a été fermé en peu de temps. Il faut que ceux qui ont géré ce projet rendent des comptes à la nation. J'ai entendu un responsable du FCC dire, si on veut revenir à ce que nous avons fait, il faut revenir à ce que Mobutu avait fait aussi. Nous leur disons tout simplement que eux, quand ils étaient au pouvoir, c'était de leur devoir de poursuivre les gens qui avaient travaillé avec Mobutu parce que leurs faits étaient proches de leur gouvernance. Aujourd'hui, je pense que M. Félix Tshisekedi et les institutions judiciaires doivent pouvoir regarder à ce que les gens ont fait sous le régime du président Joseph Kabila parce que c'est plus près de nous. Et vous savez que en matière de preuves, plus on s'éloigne de la date de la commission des infractions, plus ça devient difficile. Mais aujourd'hui, nous avons au moins la documentation sur les faits qui ont été commis sous la gestion du président Kabila. Mais il faut dire aussi que c'est un discours qui appelle tous les Congolais à la responsabilité, à chacun de nous de pouvoir jouer son rôle. C'est pour ça que dans notre page d'opinion libre, publiée au lendemain de ce discours, nous avions dit en titre que ce n'était qu'un discours. Ça veut dire en d'autres termes que dans ce discours, le président de la République a pris des engagements. Maintenant, il faut que nous, le peuple, nous puissions en assurer les suivis pour que ces engagements soient concrétisés dans les actions concrètes au profit du peuple et dans les décisions concrètes au profit du peuple. Un discours qui est fustigé par le FCC. Pourquoi ? Puisque le FCC, d'abord, c'est son principal allié. Mais comment le président peut vouloir fouiner dans le passé ? Est-ce qu'il ne se contredit pas aujourd'hui, puisque lui-même avait refusé de fouiner dans le passé ? Non, le président de la République ne se contredit pas. Dans un pays comme le nôtre, il avait tout simplement estimé que si le pardon n'est pas au rendez-vous, il sera difficile de faire avancer le pays. Mais il fallait que le message du président de la République soit intégré par les gens de l'ancienne majorité présidentielle. Mais l'impression que ça donne, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont été pardonnés. Ils estiment qu'ils sont là en liberté parce qu'ils ont mérité. C'est là le problème. C'est là que le président de la République a dit que si Dieu donne l'occasion à un méchant, l'occasion qu'on lui donne, c'est pour qu'il se répande. C'est-à-dire pour qu'il change de comportement. Il a été aussi très dur sur ce point-là. Comment traiter les autres de méchants? C'est compliqué là pour le président, Félix. Mais un méchant, c'est celui qui fait des choses contraires à ce que la société fait. Et le président de la République a trouvé dans la Bible les mots qui conviennent. S'ils ne sont pas des méchants, mais qu'ils laissent la nation avancer. On ne peut pas continuer dans un pays où les gens vivent dans la misère à bloquer la machine gouvernementale. Or, c'est cette machine qui doit être utilisée par les politiciens pour pouvoir changer les conditions de vie des gens. Voyez-vous ? Très bien. Parmi eux, il y a des gens qui peuvent dépenser 2000 dollars par jour dans des festivités. Seulement pour des réjouissances. Alors que chez nous, là-bas, en Djili, chez nous, à Kimbanseke, là-bas, les gens font le programme de la journée avec 2000 francs. Pendant que les autres peuvent dépenser 2000 dollars la journée. Et là-bas, à Kimbanseke, en Djili, les gens ne cherchent que 2000 francs pour pouvoir préparer le repas de la journée. Et encore, c'est quel type de repas ? Si ce n'est pas seulement pour mettre quelque chose dans le ventre. Donc, je pense qu'à un moment donné, le président de la République, qui avait fait confiance à ses partenaires, il se réalise que tous les efforts qu'il a fait pour les approcher, pour les mettre dans l'élan de faire changer les choses, il sent que ça bloque. Dans le même discours, le président de la République est allé même plus loin pour répondre même à la proposition de trois lois sur la réforme du pouvoir judiciaire. Vous ne voyez pas aussi là, ça, c'est devenu un coup sur coup.
le moment peut-être n'était pas bien choisi en quelque sorte. Non, je pense qu'il faut féliciter le président de la République qui montre qu'il est attentif à ce que le peuple dit. Et c'est une, je dirais tout simplement que c'est une bonne opportunité d'avoir un président qui a des oreilles ouvertes à ce que le peuple demande. Il y a eu des réactions, non seulement des Congolais, mais aussi au niveau international, des gens qui ont dit « ces lois sont contraires à la Constitution, mais ce n'est pas le moment de les prendre ». Au moment où vous voyez que la justice est en train de prendre de l'élan, qu'on prenne cette justice, qu'on remette dans les mains d'un individu, ministre de la Justice soit-il. Et donc, en tant que président de la République, en tant qu'une des personnes qui participent, n'est-ce pas, à la mise en œuvre de ce loi, il a donné sa position. Nous sommes aujourd'hui au moins sûrs que ces propositions de loi ne deviendront jamais des lois, parce que le président de la République, qui doit les sanctionner par sa signature, les a tout simplement décriées. Par contre, vous avez suivi les entretiens que certains de nos collègues des mouvements citoyens, des organisations de la société civile, ont eu avec Mme Abunda. La conclusion qu'ils ont tirée de cet entretien est que la dame reste sur sa position. Les lois doivent continuer, la désignation du président de la CENI doit continuer. Ça montre que les membres du FCC ne sont pas attentifs aux cris du peuple, parce que c'est leurs intérêts qu'ils veulent défendre à tout prix. Et ça, dans une république, on ne peut pas l'accepter. Ne voyez-vous pas qu'il y aura maintenant d'ici là une crise, puisque le chef de l'État se prononce ouvertement, publiquement, d'être opposé, bien sûr, à ces propositions. Jean Mabunda qui tient aussi à son travail, qui pense que ça doit toujours évoluer. Et si la crise persistait maintenant entre l'institution président de la République et l'institution Parlement, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Non, il n'y aura pas de crise. Le président de la République... C'est du fait que Jean Mabunda persiste dans sa démarche. Non, il n'y aura pas de crise. Le président de la République a donné sa position et a interpellé les parlementaires. S'ils n'écoutent pas, ils vont aller, ils vont jouer leur rôle avec leur loi jusqu'à la fin de ce qu'ils peuvent faire. Mais sur le parcours, le peuple ne restera pas en dehors du débat. Nous serons dans les débats. Mais quand ils auront fini, le président de la République a un rôle à jouer. Et lui, il a dit qu'il ne va pas jouer ce rôle conformément à ce que l'Assemblée nationale veut. Mais même si le président ne signe pas, les lois vont toujours entrer en vigueur 15 jours après. Non. Est-ce qu'elles seront vraiment d'application? C'est ça le problème. Il faut vous mettre seulement en tête que le président de la République a la possibilité de renvoyer la même loi pour la seconde lecture. Voyez-vous, il a cette possibilité de le faire. Mais je pense aussi que la Cour constitutionnelle va jouer un rôle important. Du moment où nous savons tous que ces lois sont contraires à la Constitution, nous estimons qu'elles ne passeront pas à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle, pour être envoyées à la sanction du président de la République. Elles vont être bloquées quelque part. Pourquoi ne pas faire un discours réconciliateur? Son discours a été trop piquant. Je ne pense pas que les discours soient piquants. Je ne pense pas que les discours n'étaient pas réconciliateurs. Le discours ne doit pas aussi être décalé des réalités. Ok. Oui. Si le discours du président de la République était décalé des réalités que le Congolais vive, mais on allait encore lui dire, mais le président là, il vit dans quel pays ? Très bien. Parce qu'ils ne rencontrent pas ce que les Congolais veulent et ce que les Congolais ressentent. Il n'y a que les gens du FCC qui disent que ce discours n'était pas réconciliateur pour la simple raison qu'on n'a pas satisfait à ce qu'eux veulent. Et je le dis encore, la République n'appartient pas au FCC. Il a cité tout le monde sauf Joseph Kabila dans ce discours. C'est comme qui dirait Joseph n'a rien fait dans ce pays. Non, mais ce n'était pas un discours bilan. Ce n'était pas un discours bilan. Et je ne vois pas
pourquoi il n'a pas cité Laurent Désiré Kabila. Il n'a pas cité non plus Mobutu. Mais dis-moi, il a cité Étienne Tshisekedi. Mais évidemment, avec beaucoup de gens qui ont tombé dans sa suite, qui ont réclamé. Il faut dire qu'il a cité Étienne Tshisekedi quand il a parlé des revendications démocratiques. Très bien. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler des revendications démocratiques dans ce pays sans parler d'Étienne Tshisekedi. Il ne l'a pas fait, à mon avis, parce que c'est son père. Il l'a fait parce que c'est un personnage dans l'évolution démocratique qui a joué un rôle important. Mais je voudrais seulement dire que pour les FCC, le discours réconciliateur va être celui qui ferme les yeux sur toutes les bêtises qu'ils sont en train de faire dans ce pays. Et là, on dit non, ça ne va pas. On leur a dit le méchant doit changer et il faut qu'il change. Et il faut qu'ils se rendent compte que ils ont été pardonnés, même si c'est des manières que nous n'acceptons pas. Quand on pardonne à quelqu'un, il doit avoir une conduite qui répond à ce pardon. Mais il ne faut pas que la même personne qui a été pardonnée se comporte avec témérité, se comporte avec arrogance, comme si nous tous ici, nous étions des esclaves du FCC. Très bien. Ce qui n'est pas le cas. Deuxième thématique, grâce présidentielle, Eddy Kapende. De la peine de mort à la peine à perpétuité. Expliquez-nous, ça veut dire quoi concrètement? Pourquoi l'homme n'a pas été tout simplement relaxé? Je pense qu'il est important que nous puissions avoir d'abord les documents, très bien. C'est-à-dire les ordonnances à main, pour pouvoir les analyser et voir quelles sont les personnes qui ont bénéficié de ces mesures et quelles sont les personnes qui ont été acceptées. Et nous allons le voir au fur et à mesure, parce que le ministre de la Justice va s'occuper de concrétiser. Parce que le président de la République a parlé de manière générale. Il y a des gens qui vont bénéficier de ces mesures, et il y a des gens qui ne vont pas pouvoir en bénéficier. Il est question que nous puissions avoir les documents en main pour les analyser, mais ça va être dommage si le président de la République n'a pas saisi cette opportunité des 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo pour gracier M. Eddy Kapende et ses compagnons. C'est très horrible. Et voilà, chers compatriotes, il y a un dossier très important en République démocratique du Congo, puisque nous sommes là toujours au niveau de la justice, et nous parlons du scandale dans le procès avec Pascal Mukuna. Aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement. Maître, vous suivez de près ces dossiers, vous fixez la caméra et vous expliquez à la population, à l'opinion nationale et internationale sur ces dossiers. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ce qui se passe au juste, c'est que selon les informations recoupées par l'Azado dans son communiqué 002 rendu public le mois passé, il apparaît que l'évêque Pascal Mukuna est aujourd'hui pris en otage. Pris en otage pourquoi? Depuis le 17 juin, l'évêque Pascal Mukuna, son affaire a été prise en délibéré pour une décision qui devait être rendue le 25 juin. Il se fait malheureusement que jusqu'à ce jour, la décision n'est pas rendue. Mais pour quelle raison? Lors de délibérer, deux juges sur trois s'étaient prononcés pour l'acquittement de l'évêque Pascal Mukuna. Un autre juge seul était pour sa condamnation. Et il s'est fait aussi malheureusement que celui qui voulait la condamnation était le président du tribunal, c'est-à-dire de la chambre qui avait siégé. Or, sa position en tant que président du tribunal ne lui donne aucune autorité sur les délibérations. Ça veut dire en d'autres termes que les deux juges qui ont décidé de l'acquittement de l'évêque Pascal Mukuna sont majoritaires par rapport au juge qui voulait la condamnation. Et si les juges de la chambre, le président de la chambre était sérieux, l'évêque Mukuna en ce moment serait déjà libéré. Mais pour des raisons que nous ne comprenons pas. Il a d'abord exigé que ses amis, ses collègues
le suivre dans son argumentaire. Ils ont refusé. Il leur a demandé qu'on rouvre les débats pour qu'ils puissent demander une expertise de vidéo et des audios qui n'étaient pas des éléments du dossier. On se demande comment il va s'en saisir, qui n'étaient pas des éléments du dossier. Lui-même, lors des débats, a refusé qu'on puisse prendre ses audios et ses vidéos. Les deux juges ont encore refusé de pouvoir signer la vendir droit ordonnant la réouverture des débats. C'est comme ça que le président de la Chambre se serait adressé à deux autres juges qui auraient accepté de signer à la place des juges qui avaient siégé dans l'affaire. Ce qui est une faute, non seulement dans les chefs du président de la Chambre, mais aussi dans les chefs de deux autres juges qui se sont adjoints à lui pour pouvoir signer un avant-dire droit sur un dossier dans lequel ils n'ont jamais siégé. C'est à la fois une faute professionnelle, administrative, mais c'est aussi une faute pénale. Parce que les documents à l'avant-dire droit que les juges qui n'ont pas signé, qui n'ont pas siégé dans l'affaire, ont signé, c'est tout simplement un faux. Un faux qui va aussi constituer l'infraction d'usage du faux dans les cas où il va être utilisé pour réouvrir les débats dans ce dossier. C'est pour ça que la ZADO s'est adressée aux autorités judiciaires pour que le juge, tous les trois juges, soient obligés de prononcer les jugements d'acquittement de l'évêque Pascal Mukuna et que le juge président de cette chambre soit poursuivi par ses responsables, les autorités judiciaires, pour qu'ils soient sanctionnés. On ne peut pas accepter qu'un seul individu prenne en otage la vie d'un autre et prenne en otage toute une chambre du tribunal tout simplement parce qu'il est président de la chambre. C'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui, l'évêque Mukuna mérite d'être en liberté et le fait qu'il soit en prison alors que la majorité des juges ont décidé pour son acquittement, c'est tout simplement une prise d'otage qui n'est pas acceptable. Et nous demandons aux Congolais de pouvoir écrire aux autorités judiciaires, de pouvoir appeler les autorités judiciaires pour décrier cette injustice dont l'évêque Mukuna est victime. Et nous avons l'impression que les juges présidents n'est utilisé que par d'autres forces pour empêcher l'évêque Pascal Mukuna, qui mérite cet acquittement parce que le dossier est vide, de pouvoir recouvrer sa liberté. Voilà, vous avez compris, maître Jean-Claude Katende, il nous a éclairé bien sûr sur ce dossier et c'est très important. La dernière question, c'est sur l'homélie du cardinal Ambongo. J'espère que vous avez suivi, maître, aujourd'hui très controversé et très critiqué, un message au lieu et place de consolider les gens, d'amener la paix, mais ça amène encore la colère au sein de la classe politique congolaise. Puisque là, nous venons de suivre Kitengeyezu, qui est un haut représentant du chef de l'État, qui fustige, qui dit « Mieux vaut trébicher avec le pied et non avec la langue ». Qu'est-ce que vous nous dites? Oui, je pense que dans notre pays, on était habitué à caresser les gens dans le sens des poils. Mais je crois que le cardinal a pris son courage pour pouvoir dénoncer un certain nombre de choses que beaucoup n'ont pas, non seulement le courage de dire publiquement, mais aussi de pouvoir les dénoncer. Il revient à chacun de nous d'être humble, de voir ce qui ne marche pas et de voir quel est le rôle qu'il a joué dans ce qui ne marche pas pour pouvoir réparer. C'est à ce niveau-là que nous pouvons nous regarder dans les yeux et dire que maintenant prenons la ferme résolution de faire marcher ce pays, parce que depuis 1960 à aujourd'hui, ce sont les politiciens qui ont ruiné ce pays. Et ce sont les mêmes politiciens qui ont profité financièrement, socialement, n'est-ce pas, de ce pays au détriment du peuple congolais. Il est temps aujourd'hui, et conformément au discours fait par le cardinal, pour que le peuple profite, n'est-ce pas, de la gestion de ce pays.
Il ne faut pas que ceux qui accèdent au pouvoir y accèdent pour leurs intérêts, mais pour travailler dans l'intérêt de la communauté des citoyens. Merci, Maître Jean-Claude. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt. Merci. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit « abonner ». Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à EDEM TV officielle.